et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Vous savez, on est déjà rendu le quatrième dimanche carême. Découragez-vous pas, ça s'en vient, Pâques s'en vient. Et en ce quatrième dimanche carême, l'évangile qu'on entend, c'est l'évangile de la guérison de l'aveugle-né. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça? Il y a plusieurs messages, mais un des messages qu'on veut nous dire, faisons attention. Quand nous regardons la vie, notre vision à nous est limitée. Quand nous regardons les personnes, notre vision à nous est déformante. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des musées. Moi, j'ai visité certains musées, puis on passe devant le miroir, là. Vous engraissez 200 livres. Vous passez dans un autre miroir, ils vous grandissent, moi, je mesurais 7 pieds et 5. Et ça ressemble un peu à notre vision, des fois. Elle est déformée. Et on peut nous dire en fin de semaine que même notre vision de Dieu est déformée. Et celui qu'on veut rencontrer aujourd'hui, ce n'est pas une théorie. On veut que ce soit quelqu'un qui soit notre ami. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous arrêter, pour descendre au plus profond de notre cœur. Quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu. Parce que je crois que Dieu est avec nous cet après-midi. Car je l'ai écarté.
Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jesse présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jesse, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jesse répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jesse, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jesse le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi. Donne-lui l'onction. C'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Réveille-toi, ô toi qui dors,
Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Comme je le disais au début de la célébration, nous sommes rendus le quatrième dimanche du carême. Je continue ma série d'homélies qui a commencé il y a quatre semaines. Alors, je fais un petit résumé. Le thème, c'est « Nous croyons en Dieu, mais notre foi a besoin de progresser. Hein. » La première semaine, on se disait « Nous croyons en Dieu, mais nous avons de la difficulté à reconnaître que Dieu nous aime personnellement et gratuitement, et qu'on a de la misère à saisir ça. » Et on peut dire que notre plus grande tentation comme chrétien, c'est de douter de l'amour de Dieu, alors que c'est ça qui est fondamental. La deuxième semaine, on s'est dit, nous croyons en Dieu, mais nous doutons de l'efficacité de nos prières. Oui, parce que des fois, je prie, puis Dieu ne donne pas ce que je demande. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. On se disait, justement, à certains moments, c'est vrai que quand on demande des choses à Dieu, parfois, il nous les donne, parfois, non. C'est important de savoir ça. Et pourquoi il me dit non parfois? Parfois, il me dit non parce que ce que je lui demande, il sait que ça ne contribuera pas à mon bonheur. Parfois, il me dit non parce que Dieu a prévu d'autres choses pour moi qui est bien meilleures que tout ce que moi j'aurais pu penser
ou imaginer. Et je disais aussi que parfois, Dieu ne dit pas non, mais ça semble la même réponse pour nous autres, il dit pas tout de suite. Pourquoi pas tout de suite? Moi, je veux voir ça, c'est tout de suite que je veux l'avoir. Pourquoi pas tout de suite? Parce que les circonstances ne sont pas prêtes. Le timing n'est pas bon. C'est comme Dieu me disait, avant que ça arrive, j'ai besoin de travailler. Là. Et quand j'aurai fini de travailler, là, à travers les expériences de la vie, quand ça va arriver dans ta vie, là, ça va être fécond, là, ça va rapporter du fruit. Et la semaine passée, ce qu'on voyait, c'est que nous croyons en Dieu, on dit ça, mais on passe notre temps à se tracasser. On y croit-tu ou on y croit pas? Et on se disait, quand arrivent des situations qui nous tracassent, et c'est inévitable que ça nous arrive, là, c'est bon de revoir notre vie, des expériences passées qu'on a eues, puis de dire, Seigneur, je crois que tu as toujours été présent jusqu'à maintenant dans ma vie. Tu as toujours pris soin de moi jusqu'à maintenant. Je crois que tu vas continuer de le faire. Cette semaine, pour introduire le thème que j'aimerais vous présenter, c'est en fonction de l'évangile de l'aveuglé, c'est se dire, nous croyons en Dieu, mais notre vision, est spécialement des personnes, est souvent très partielle. On pense qu'on connaît quelqu'un, mais on connaît juste les apparences. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, dans les paroisses où j'étais, jamais ça arriverait ici, mais dans les paroisses où j'étais il y a quelques années, il y a une dame qui téléphone à la paroisse. Alors, la secrétaire répond. Et la dame demande à la secrétaire, « Est-ce que c'est Jacques Lamoureux qui est curé à la paroisse ici? » La secrétaire dit, « Ben oui. » La secrétaire dit, « Vous le connaissez? »« Ben, je comprends que je le connais. Il n'a pas de cheveux que des lunettes. » Tout ce que la dame a dit, est-ce que c'était vrai? Ben oui, c'était vrai. On peut-tu s'entendre que ça ne veut pas dire qu'elle me connaissait intimement, hein? Donc, tout ça pour nous dire que notre connaissance des personnes, parfois, là, c'est très, très limité. Et en fin de semaine, on va se faire dire que ce n'est pas juste notre connaissance des autres qui est limitée. Notre connaissance de Dieu, on n'a jamais fini de le connaître. Là. Il faudra avoir l'humilité de reconnaître, de dire, là, ma vision à moi, là, on est comme des semi-aveugles, hein? On est des malvoyants. Nous autres aussi, on aurait besoin d'être guéris dans notre façon de regarder la vie, dans notre façon de regarder les personnes, dans notre façon de regarder Dieu. Et justement, en fin de semaine, l'évangile qu'on a, c'est l'évangile de l'aveugle-né. Et moi, ce que j'aime dans cette page d'évangile de l'aveugle-né, on ne voit pas ça dans toutes les guérisons, vous allez remarquer que l'aveugle-né, il découvre graduellement qui est Jésus. Au début, quand il va se faire guérir par Jésus, il va demander, « Mais c'est qui t'a guéri? » C'est un homme. Bon, jusque-là, c'était assez vague et imprécis. Et quand il va rencontrer les pharisiens, ils vont lui poser, « Ouais, mais c'est qui t'a vraiment guéri, toi-là? » Ben, il va dire, « C'est un prophète. » Oui, oh, c'est comme s'il avance dans sa connaissance de Jésus. Et à la fin de l'Évangile, on lui dit que Jésus va le rencontrer de nouveau. Puis Jésus va lui demander, « Crois-tu à ça, toi, le Messie? » Ben, il va dire, « C'est qui, ça, le Messie? » Et Jésus va lui dire, « C'est moi qui te parle. » Il va dire, « J'y crois. » Tout ça pour nous montrer que il grandit dans sa connaissance de Dieu. Pour dire que, je ne peux pas dire parce que moi je connais Dieu depuis quelques années que je n'ai pas fini, que j'ai besoin de grandir dans ma foi aussi. Et en fin de semaine, justement, c'est ce qu'on se fait dire, nous croyons en Dieu, mais est-ce que nous le connaissons vraiment? Ça, c'est autre chose. Est-ce que je peux dire qu'avec les années, je deviens un ami intime avec Dieu? Et comment on fait pour savoir si je deviens de plus en plus intime avec Dieu? Parce que c'est le but, là. Mais je dirais ceci, c'est comme dans la vraie vie ordinaire. Moi, aujourd'hui, je pourrais vous parler de la météo, il fait soleil. Est-ce que c'est engageant que je vous parle de la météo? Pas du tout. Quand on ne sait pas quoi dire à quelqu'un, on parle de la météo, hein, c'est pas engageant. Mais si quelqu'un me disait, Jacques, peux-tu nous parler de la plus grande joie que tu as eue cette semaine, puis de la plus grande peine que tu as eue cette semaine? Ah, je ne compte pas ça n'importe qui, moi, là. Il y a des gens à qui j'ai plus confiance, il y a des gens qui sont mes amis intimes. Ces gens-là, ils me connaissent, ils savent ça. Je dirais que c'est la même chose avec Dieu. Pour savoir si je suis de plus en plus intime avec Dieu, de quoi je parle avec Dieu? Est-ce que moi, je fais juste réciter des prières? Ou est-ce que je parle avec Dieu? Est-ce que Dieu est au courant de mes grandes joies? Est-ce que Dieu est au courant de mes grandes peines? Ça dit beaucoup, hein? Je ne compte pas ça n'importe qui.
Et Dieu, je ne veux pas qu'il soit juste dans un aspect de ma vie, je veux qu'il soit présent dans tous les aspects de ma vie. Une autre question qu'on pourrait même dire, de quoi je ne parle pas à Dieu? De quel sujet de ma vie je ne parle pas à Dieu? C'est comme dire à Dieu, je ne t'en parle pas, ça ne t'occupe pas ça. C'est pas ton domaine. Alors que Dieu s'intéresse à l'ensemble de ma vie. Un peu comme je le disais tantôt pour cette femme que téléphonait à la paroisse, qui était sûre qu'elle me connaissait très bien, elle, parce qu'elle savait que j'avais le panier rond et des lunettes, là. Mais elle ne me connaissait pas intimement. Nous autres aussi, ça peut être la même chose avec Dieu. Ah, ça serait facile de dire, moi je connais Dieu parce que je peux vous dire, moi je viens d'une famille chrétienne. Alors, ma mère était chrétienne, mes parents étaient chrétiens. Ouais, mais jusque-là, ça ne veut pas dire que je le connais intimement. Quelqu'un peut dire, mais je connais Dieu parce que je connais des choses sur Dieu, moi. Là. Je connais des paroles d'évangile. Oui, mais la vraie question, c'est pas si tu connais des choses sur Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as fait l'expérience de goûter à Dieu dans ta vie? D'autres personnes vont dire, bien, eux autres qui n'ont pas besoin d'avoir une relation avec Dieu, vont dire, moi, je sais que la religion, c'est juste, il y a un paquet de règles, mais il faut suivre ça. Je veux juste vous dire que ce n'est pas la religion de Jésus-Christ, ça, cette affaire-là. Jésus-Christ, lui, il dit qu'on doit développer une relation d'intimité avec Dieu. C'est ça qui est le plus important dans notre vie. Et ce que Jésus est venu révéler quand il nous a présenté le visage de son Père, il est venu nous dire que ce Dieu-là, il veut se révéler à nous. C'est comme si Dieu veut dire, j'aimerais ça de devenir intime, un ami intime avec toi. C'est spécial de penser à ça parce que le Dieu qui a créé tout ce qui existe sur la planète, l'univers, toute la nature, les humains, il veut être ami avec moi. C'est comme si je vous disais que le pape, vous ne savez pas, mais le pape François me téléphone tous les soirs. Jacques, je vais être ami avec toi. Je dis, hey, Jacques, t'es branché, hein, s'il vous plaît, toi-là. Mais je suis bien mieux branché, c'est pas le pape qui m'appelle tous les soirs, c'est Dieu qui m'appelle tous les soirs, puis il n'y a pas d'intérêt humain. C'est ça qu'on veut faire saisir, hein. C'est quelque chose qui va être intime avec moi. Et je ne sais pas comment vous vivez vos amitiés, mais quand je vais être ami avec quelqu'un, bien, il faut que je passe du temps avec cette personne-là, sinon on ne deviendra jamais amis. Hein. J'ai besoin de prendre du temps pour parler avec cette personne-là, j'ai besoin de prendre du temps pour l'écouter. C'est exactement ce qu'il faut faire avec Dieu. Puis quand tu deviens ami avec quelqu'un, tu t'intéresses à ce qui intéresse ton ami. L'exemple que je vous donnerai, je ne sais pas moi, un gars qui commence à sortir avec sa blonde aime le théâtre. Le gars, il n'a jamais pensé au théâtre de sa vie. Mais s'il est en amour avec sa blonde, vous annonce qu'il va aimer le théâtre pendant un bout de temps. Ben oui, sa blonde aime le théâtre, qu'il va aimer le théâtre. Et c'est la même chose, pourquoi je m'intéresse à ce qui est important aux yeux de Dieu? C'est mon ami. Pensez-vous que je fais ça par obligation? Ben non. Pensez-vous que je fais ça, je ne sais pas, en marchant sur la peur? Ben non. Le Dieu que j'ai, moi, ce n'est pas un Dieu de police. C'est un Dieu qui est un ami. C'est un Dieu qui veut devenir de plus en plus mon ami, puis il veut mon bien. Alors, je trouve qu'en fin de semaine, à travers cette page, justement, de l'aveugle-né, ça me rappelle qu'il faudrait toujours avoir la sagesse de se dire, je suis sûr que ça fait plusieurs années que vous priez, là. Moi aussi, là, je commence à avoir quelques années, là. Il ne faudrait pas que je dise, genre, tu sais c'est qui c'est Dieu. Alors, il t'en manque des grands bouts, mon roi. Tu n'as pas fini de le connaître. Puis toutes les autres activités que tu vas vivre, là, il m'en reste quelques années à vivre, j'espère. Tout ce que tu vas vivre, ça va te rapprocher de lui. Ça va faire que le fait que tu vas vivre ça avec lui, là, tu vas devenir de plus en plus son complice. Et si je fais ça, je fais ce que Dieu attend de moi. En terminant cette homilie, je veux simplement faire une petite prière en notre nom. Seigneur Jésus, je veux te dire aujourd'hui que je veux de plus en plus devenir ton ami intime. Je prends du temps pour te parler. Je prends du temps pour t'écouter. Et je voudrais que tous les aspects de ma vie, tous les aspects, mon travail, mes amis, que tu sois présent dans tous ces aspects-là de ma vie. Et je te dis merci de m'accompagner. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à présenter à Dieu. Je vous disais, c'est un exemple, mais je vous invite peut-être à le faire.
Si vous êtes un ami intime avec lui, là, êtes-vous capable de dire à Dieu dans votre cœur, c'est quoi la plus grande joie que vous avez eue cette semaine? C'est quoi la plus grande tristesse ou la plus grande peine que vous avez eue? Ça, ce sont des choses qu'on compte à nos amis intimes. Et Dieu veut être notre ami intime. Ensemble, nous croyons que Dieu est tout proche de nous. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de la mort. Thank you.
L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé la dignité de fils en les adoptant, ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous chantons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous.
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage premier avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Maria Goretti, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Cet après-midi, nous prions en particulier pour Fernand, qui est recommandé par son fils, et pour René Rondeau. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je disais tantôt que notre défi dans la foi, c'est de devenir ami avec Dieu. Mais même quand on est devenu ami avec Dieu, il faut continuer de soigner notre amitié. Hein? Vous avez peut-être déjà eu des amis, puis après vous dire, oups, les circonstances font qu'on se voit de moins en moins souvent. On se parle de moins en moins souvent. Et quand on fait ça, ce n'est plus des amis, on appelle ça des connaissances. Et ce qu'on veut dire à Dieu, le prier, je ne veux pas être une connaissance, je ne veux pas que tu sois une connaissance dans ma vie. Je veux que tu sois un ami intime dans ma vie. Notre Père, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de vos églises, pour que ta volonté s'accomplisse
Aussi gâtés que nous. Il s'agit de se promener un peu pour se rendre compte de ça.
Alors, moi, c'est l'occasion de partager avec les plus pauvres. Ce sera à la fin de la messe, la fin de semaine prochaine. Nous allons terminer cette semaine le tour de ce que j'appelle la grande tournée. Alors, le mercredi soir, ce sera à l'église de McMasterville, 19h. Ce sera une célébration du pardon. On va faire aussi plusieurs célébrations du pardon. Alors, si vous voulez voir les dates dans le foyer paroissial, à la page 5, on offre 5 célébrations du pardon. Alors, vous ne pouvez pas manquer votre coup, vous n'êtes pas obligé de venir 5 fois. Vous pouvez en choisir une sur les 5, c'est possible de le vivre à ce moment-là. Voilà, je vous invite à vous lever pour la dernière prière. Dieu qui éclaire toute personne venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que ton désir, c'est d'être ami avec nous. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous aussi, on veut développer cette amitié et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.